quick job. អង្គជំរាបរះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្រាប់ការនិតិវិធីសម្រាប់ការសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរាបធ្វើសម្រាប់ការបន្តស្ដាប់ទៅគីកម្មសាក់សីសុធីកលានជីសម្រាប់ការលោកអែមហុយឡារីកម្មវិធីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរាបក៏ហើយជឿញ៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការថ្ងៃនេះសូមគ្រប់លោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះកលានជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ពាក្យគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមា
Pardon. C'était en français que j'ai donné hier et bagn tu may m'as nak ñom aaw yi la yeu en an ci français, sang donc be te ba fi ci sang le ki son son 0 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
sa fonction sa trai, mục nghĩa, cultivatrice vietnamienne. Je voudrais que vous regardiez également trois autres Vietnamiens qui sont sur la dernière page de ce document. Dans le procès verbal d'audition de 3-7-6-0-3 que vous aviez et qui vous-même s'est nommé. Alors ici, il s'agit de trois personnes vietnamiennes décrites comme étant des fermiers vietnamiens âgés de 35 à 50 ans et provenant de la zone sud-ouest. Alors, tout d'abord, une question concernant la fille de 14 ans. Vous aviez dit hier que vous n'enregistriez normalement pas les enfants de moins de 15 ans. Est-ce qu'il s'agit là d'une exception? Vous connaissez donc, vous avez bien enregistré cette personne. ចំពោះឈ្មោះដែលវៀតណាមដែលអាយុ14ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានទៅសេដល់ផ្ទាល់ពីព្រោះនេះមិនមែនមកជាមួយពុកម្ដាយទេគឺមកតាមក្រុមវិញហ្នឹងតាមមកម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេឈ្មោះចម្លងចូលក្នុងវត្តទៅបាន J'ai une question de clarification concernant les trois autres Vietnamiens. On dit que ce sont des riziculteurs vietnamiens et qui sont venus du sud-ouest. Donc, je voudrais savoir si ce terme de riziculteur vietnamien à des Vietnamiens qui venait du Vietnam, mais qui avait été arrêté par les forces de l'Ouest ou alors Oui, je voudrais savoir si ហើយធ្វើស្រែវៀតណាមមកពីភូមិភាគនិរតីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគាត់ជាអ្នកជាកសិករដែលរស់នៅវៀតណាមហើយកងកម្លាំងភូមិភាគនិរតីចាប់បាននៅប្រវត្តិវៀតណាមឬក៏ក្នុងទឹកដីវៀតណាមតែម្ដងយកមកស្រុកខ្មែរឬក៏ជាជនកសិករវៀតណាមដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេដល់រាជយន្តស៊ុយដែលបានគឺនៅភូមិភាគនិរតីហើយគេចាប់ ពួកគាត់បានក៏នៅភូមិភាគនិរតីនោះដែរលោកអាចបំភ្លឺជូនតុលាការបានដែរឬទេបើសិនជាលោកមិនអាចប្រាប់ថាមិនអាចចំពោះវៀតណាមបីអ្នកដែលថាភូមិភាគនិរតីនេះគឺខ្ញុំចាំអត់បានច្បាស់ទេមិនដឹងជាចាប់នៅកំពង់សោមឬក៏មិនដឹងជាចាប់នៅនេះនៅដែលតាមភូមិភាគនិរតី
Juste une ou deux questions sur le dernier document, E3 3 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
provenant de la zone est toujours le 24 mai 1978. Comment était l'odeur qui se dégageait des cellules? Vous avez tout de même souvent vu des prisonniers dans leur cellule, Vous établissiez des listes de prisonniers sortants. Était-il fréquent que sur ces listes deviennent-elles mortes de maladie?
ខ្ញុំមកគីមានពេទ្យមួយដូច្នេះពេលដែលមានការស្លាប់មានការជីកធ្ងន់នេះហ្នឹងពេទ្យនឹងគេរាយការណ៍ទៅឲ្យហោហើយហោពីយករបាយការណ៍ពីពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចុះក្នុងបញ្ជីប្រចាំថ្ងៃ Parmi ces gens qui mouraient en cellule, y avait-il également des gens qui mouraient à la suite de coups reçus, de mauvais traitements infligés, par exemple lors des interrogatoires? ចំពោះអ្នកស្លាប់ដែលនៅក្នុងគុកគឺតែធ្វើទរណកម្មខ្លាំងពីកន្លែងសួរចម្លើយជួនកាលក៏មានស្លាប់បន្តបន្តដែរហើយជាទូទៅក៏មានស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារក្រាត់ជីវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះខ្សោយទៅក្រោយទៅក៏មានការស្លាប់ដែរ Sur les rapports que vous transmettez à l'hôpital médical, est-ce qu'il était fait une différence en général entre les morts faute de nourriture et les morts suite aux tortures, ស្លាប់ដោយការធ្វើទារុណកម្មឬក៏ការធ្វើបាបនឹងដែរទេមានបែងចែកទេពេលលោកធ្វើរាយការណ៍ទៅនោះមានបែងចែកដាច់ពីគ្នាទេចំពោះ ការរាយការណ៍ពីពេទ្យមកគឺខ្ញុំមិនបានរាយការណ៍អីនេះដែរគឺថាពេទ្យគេដាក់មិនខ្ញុំទៅសេតាមហ្នឹងពេទ្យគេរាយការណ៍ទៅហោះអាកដាស់ពេទ្យហ្នឹងគឺហូបយកមកខ្ញុំថាពេទ្យថាឈឺធ្ងន់ស្លាប់ក៏រាយការណ៍ទៅតាមកដាស់ពេទ្យដែរគេរាយការណ៍ទៅហោះហ្នឹងដែរ Pour être complet, vous aviez dit le 28 juillet 2009, personnel médical qui rendait compte des prisonniers qui succombaient à la torture à l'intérieur du bâtiment. Mais il est renseigné comme étant malade. Il n'est pas nécessairement indiqué dans les listes qui sont morts des suites de la torture. Il peut être simplement dit qu'ils sont morts des suites de malade. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit à l'époque devant cette chambre? Kim Sum Manchetha Rabai Ka Avai Gadaoi Aoi Ta Pet Ki Ta Se Yang Mai Ki Sim Rika Ta Tam Pet Nang Tang O Bờ Pet Ki Rika Tha Chư Slap ដោយទរណកម្មហើយខ្ញុំវាមិនបានចាំច្បាស់ទាំងអស់ទេពីពោះការនេះវាកាន់យូរណាស់ហើយដូច្នេះការដែលពេទ្យរាជការមកទៅឲ្យដូចទៅឲ្យហោហ្នឹងគឺហោគេឲ្យរបាយការណ៍មកតែខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើការស្លាប់ដោយការទុយទរណកម្មឬក៏ដោយការឈឺទេ Je voudrais soumettre un document, une partie de l'E3,
jusqu'à 6-9. Je peux remettre le document au témoin. Alors j'ai surligné quelques mentions en vert sur votre version. Donc c'est une liste de prisonniers morts de maladie et exécutés entre le 1er mai 1976 et le 15 mai 1976. Il y a tout d'abord 37 noms dans un tableau avec 15 noms. Il y a une colonne divers ou others en anglais qui indique un certain nombre de choses que je voudrais lire. Notamment si la personne a été exécutée, si elle est morte d'une maladie ou autre chose. Alors par exemple au numéro 1, il y a dénommé K-H-O-U, Cheng Tse, prix du secteur 25, ingénieur en chimie, date de la mort le 1er mai 1976, dans la dernière colonne, divers et marqué en anglais, bruised-numb. Alors je pense qu'en français, sous réserve évidemment de correction des interprètes, bruise normalement cela veut dire contusion. Et numb ça peut vouloir dire paralysé ou engourdi. Bon, à l'époque, quand dans un tableau il était indiqué ក្នុងតារាងបែបហ្នឹងគឺថាមានប្រើពាក្យក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗហ្នឹងក្រមហើយនឹងស្ពឹកអីហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ នេះគឺខ្ញុំមិនបានរៀបការអញ្ចឹងទេពីព្រោះការដែលយើងរៀបការរៀបការទៅតាមសរុបចំនួនមនុស្សនេះបើខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងតារាងរបស់មេញគេធ្វើគេធ្វើសរុបហើយតារាងសរុបហើយចំពោះដាក់ក្រុមស្ពឹកនឹងហើយដែលស្លាប់នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ ថាអានេះខ្ញុំមិនខាននរិកាមួយទៅតាមដែលរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីក្រមស្ពឹកនេះគឺថាក្រមនេះគឺមានក្រមគ្រីអានឹងគឺមកពីទរនកម្មហើយបានវាក្រមហើយការស្ពឹកនេះដោយសារស្អីវាហើមវាអត់មានចំណីហាវាដល់បានស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Et je note à l'intention des parties qu'il y a 13 personnes dont il est mentionné qu'il a été bruised, entre guillemets, et un peu plus, je crois, concernant les personnes qui souffraient d'enflement. Sur les 52 personnes de cette liste, monsieur le témoin, il y en a 11 qui ont été indiqués qu'ils ont été exécutés. Et 40 sont morts de maladie ou de violence. Était-il courant que 40 personnes meurent à S21 de maladie ou beaucoup reçues à S21 dans une période de 15 jours? Dans une période de 15 jours, il y a des gens qui meurent à S21. Alors,
ចំពោះខ្ញុំកាលនោះគឺនេះបញ្ជីសរុបទេប៉ុន្តែបើសិនពី15ថ្ងៃសរុបទៅគឺខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាប្រមាណនៃប្រមាណទេពីព្រោះការស្លាប់វាច្រើនក្នុងថ្ងៃខ្ញុំសន្និដ្ឋានមួយពីរដំណឹងទេប៉ុន្តែដល់សរុបខ្ញុំមិនបានជាសរុបថាខ្ញុំរយៈពី15ថ្ងៃស្លាប់ឈឺដោយស្លាប់នោះដោយខ្សែសំញ៉ៃខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់លាស់ Lorsque vous étiez à S21, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que des prisonniers subissaient des prélèvements sanguins? Oui, pour clarifier, je voudrais voir si vous confirmez ce que vous avez déjà dit, c'était plus clair. Peut-être pour vous, en 2009, le 28 juillet 2009, à l'audience, vers 11h23, 31 secondes, c'est le document E3-7466, vous aviez dit ceci. Je reconnais le fait qu'il y a bien eu des prélèvements sanguins. Hor m'a demandé d'écrire les noms des prisonniers dont le sang était prélevé pour que ces noms soient intégrés à la liste des prisonniers à exécuter. Les membres de l'équipe médicale, donc, recevaient une instruction de Hor et ensuite, Hor donnait l'ordre suivant, à savoir que les noms des prisonniers devaient être intégrés. Comment se fait-il que s'agissant des personnes ayant subi ou subissant des prélèvements sanguins, vous deviez les inscrire sur la liste des personnes à exécuter? Est-ce que ça veut dire que toute personne dont on prenait le sang devait nécessairement mourir? C'est ça la question. Yes, Mr. President, thank you. Good morning. Literally, Je vais couper cette question en deux. Donc, vous avez dit en 2009 que Hor vous avait demandé d'intégrer les noms des personnes dont on devait prélever le sang à la liste des prisonniers à exécuter. Comment expliquez-vous cela? Lorsque des prisonniers quittaient le centre pour qu'on puisse prélever leur sang. Je suppose que vous vérifiez leur identité à la sortie. Est-ce que vous les avez jamais vus revenir vivants au centre S21?
đại bồn chim nó cứ như mình bàn đăng bật bạc cọt đi bị plu pet kí sna tu hố hay hố sna tu đội hay chấm pu nè tu kí vô kí đăng tu nè tí bọc cái ấy cứ pet kí sna tu hố nó hố cái áo tới cứ khi mình bàn khi mà mình chạy tôn chỉ mùi trong tí chấm pu nè tu bồn chim năng Oui, bien entendu. Il y a plusieurs documents ou dossiers qui parlent de ces prélèvements sanguins. Je ne vais pouvoir en utiliser qu'un par manque de temps. Il s'agit du document E3-2285 à la page en Khmer 4x0-9212 en anglais 00-8-7-3-4-3-2. Il n'y a pas de traduction française, je crois. Monsieur le Président, est-ce que je peux remettre ce document au témoin? C'est une page sur laquelle se trouve un titre, nom des prisonniers écrasés le 21 mai 1977, comporte 5 noms provenant des divisions 310 et 455, arrivés entre le 14 et le 19 mai 1977. Dans la dernière colonne tout à fait à droite, il y a la mention en anglais « took blood ». En français, on a pris du sang. S'agit-il ici d'une liste que vous avez établie à S21 sur les ordres de Hor? J'avance puisque le temps passe. Hier, vous avez mentionné que Dutch faisait des annotations sur des listes de prisonniers en indiquant Cam, ce qui voulait dire qu'il fallait écraser ces gens. Sur cette base-là, Hor vous demandait d'établir des listes de personnes à exécuter. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est une fois que ces personnes avaient été emmenées en dehors de la prison, comment saviez-vous précisément qu'elles avaient été effectivement exécutées? Thì miền mình chỉ đã chung một công tích cứ dừng tới bình đất rất tìm tốt cho bà lo hà nà được chứ này nhưng bây dừng bình đất thái bàn thì vô tới chân cho cà rào đã làn hả năng ta thì vô chân bị cúc thì đã chung một công tích cứ tới là xa lạp anh. D'accord, ma question était de savoir, une fois que le camion les a emmenés, est-ce que plus tard, vous receviez confirmation que ces personnes avaient été effectivement exécutées? Est-ce que l'unité des gardes vous en disait quelque chose ou non? Ni chấm pua nẹt tôi đã dục tranh
tới công ty khai cứ nhom miền phải đặt cái ai kỳ đi cam ở công ty vì buồn đi khô kỳ này đặt tour có trời thằng sông ấy chỉ muốn con cà phê être sûr de ce que vous dites là parce que à l'audience du 27 juillet 2009 vers 15h50 c'est le document E3/7465 vous avez dit ceci. Quand on emmenait un prisonnier pour être exécuté, une fois que la liste finale était vérifiée, cette liste était envoyée à Hor, qui l'envoyait aux gardes, y compris Hoi, Peng, qui gardait la liste. Après l'exécution des prisonniers, Hor prenait la liste et moi je vérifiais cette liste en comparant la liste aux détenus qui étaient encore dans la prison et aux détenus qui étaient exécutés. Donc est-ce que vous aviez un travail de vérification à faire après l'exécution des prisonniers? ក្រោយពីអ្នកទោសដែលបានសម្លាប់ហើយគឺខ្ញុំអត់មានជាងតាត់អីទេពីព្រោះបញ្ជីនោះនៅពេលដែលកងរយគេយកបញ្ជីទៅជាមួយអ្នកទោសនឹងទៅកន្លែងសម្លាប់នោះដល់ពេលគេធ្វើហើយគេយកបញ្ជីនឹងយកមកប្រគល់ឲ្យហោវិញហើយហោក៏ឲ្យបញ្ជីនឹងខ្ញុំមកខ្ញុំវិញដើម្បីខ្ញុំរីកាប្រចាំថ្ងៃ ចំពោះអ្នកទោសដែលត្រូវបានសម្លាប់នឹងហើយចំពោះការដែលគេធ្វើនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងគេសម្លាប់មិនសម្លាប់នេះអានេះនៅលើខោនឹងកងរួយគឺអ្នកនេះទេប៉ុន្តែការដែលគេយកបញ្ជីឲ្យមកវិញគឺខ្ញុំត្រូវតែនឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំខោនឹងឲ្យដើម្បីឲ្យខ្ញុំរៀបការប្រចាំថ្ងៃយុថ្ងៃស្អែកនឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា. J'en viens à mon avant-dernier sujet, donc je pense que je déborderai peut-être de 5 minutes sur ce que j'avais dit à l'attention des parties civiles. C'est celui des prisonniers vietnamiens. On en a déjà un peu parlé. Vous nous avez dit que lorsque vous receviez des prisonniers à S21 pour les enregistrer, vous receviez l'aide d'un dénommé Chan, un prisonnier qui traduisait pour vous ce que les prisonniers vietnamiens disaient. Pourriez-vous nous dire, concernant ces Vietnamiens, s'il s'agissait de civils, de militaires ou de des deux? បើស៊ីវិលច្រើនគេចាប់នៅតាមសមុទ្រប៉ុន្តែនេះមិនទៀងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេវាមិនទៀងមិនដឹងជាតាមសមុទ្រឬក៏តាមព្រំដែនប៉ុន្តែបើទាហានគឺគេចាប់នៅតាមព្រំដែនដែលមានចំនួន. Parmi les civils vietnamiens qui étaient amenés à S21, est-ce qu'il y avait des familles entières de personnes qui avaient été arrêtées en mer ou à la frontière? Et s'agissant de ces personnes, est-ce qu'il s'agissait
de pêcheurs ou bien de gens qui fuyaient leur pays. Thank you, Mr. President. Besides meeting again, there are more than two choices when it comes to Vietnamese people who are not dressed in uniform. Vietnam, so many spies dressed as civilians. So there are all kinds of options. So limiting this witness to those two options is incorrect. Đối với này, cả xu công tác cao bị chậm lại nên mình tạm trao tì. Oui, je vais reformuler. Je voudrais simplement leur demander parmi les civils arrêtés en mer, y avait-il des pêcheurs ou des personnes qui fuyaient leur pays? Đây Việt Nam là cái trạm đèn sầm bớt cứ khi nhóm mình ban xua cho ba loa về riêng bản nhà này vì buộc nhóm ở sơ chế Việt Nam từ trên đấy cả đã tới trại tạm hồ để mình chia và thật đã chỉ đã đã ở là hai hai chuyện đã này xa chuyện đã chỉ chuyện nó buộc nhóm ở trên phía xa Việt Nam cho ăn loa cứ đã ở miền biên này vì mình ban vượt bậc cao thà riêng chế Việt Nam riêng chế bỏ prai mau thà Pour clarifier ce point, vous aviez dit devant le CDCAM, c'est le document E3-9320. À la page en anglais 00 09 09 159 en khmer 3 fois 0 5 2 0 0 0 00 et en français c'est une mauvaise traduction 00 08 04 98. Je vais citer en anglais parce que la traduction française de l'ensemble du document Question. Were there any Vietnamese nationals? Answer by T. T. Yes. There were also Vietnamese people who were fleeing to Thailand. Donc à l'époque, vous aviez dit au CDCAM qu'il y avait des gens qui fuyaient le Vietnam vers la Thaïlande, qui étaient arrêtés à hauteur de Kampong Som. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Mình xoắn mất thà cái bông sao không thế? Vì phụ nữ cái lại nó đàn xoắn mất nhưng ở đây còn tôi chạp bán những thà cái bông sao không có bông sao không đem đoàn thờ. Est-ce que vous savez si les Vietnamiens arrêtés, que ce soit des civils ou des militaires, qui étaient amenés à S21, étaient interrogés et également si leurs aveux étaient diffusés à la radio? Vous avez jamais entendu ça? Vous avez
hơi sự mày nâng cả chạm sai ta một chút có ớt sâu bàn đằng là một mình bàn sử đạp mày về rừng cả sai rồi bỏ một chút là Concernant les photos qui étaient prises de ces Vietnamiens, comment étaient habillés les Vietnamiens qui étaient pris en photo? Màu mấy chị để xuân biên bẹ màu chẳng ná thì chiên thọt cái thọt cái tàm nâng cái tàm xuân biên bẹ để màu đó Je voudrais lire un extrait de ce qu'a dit lors de son interview filmé Monsieur Pan Tan Chan. Nous avons parlé hier, donc vous avez reconnu comme étant l'interprète qui vous avait aidé à interroger certains Vietnamiens pour leur biographie. C'est le document E3-2352. Et c'est sous 57 minutes et 19 secondes. Donc il y a une transcription maintenant dans les trois langues. Je cite ce qu'a dit Chan. Au début, ces Vietnamiens répondaient sincèrement. Ils disaient qu'ils étaient de simples habitants de la frontière ou encore pêcheurs de mer frontaliers. D'autres déclaraient qu'ils essayaient de fuir le Vietnam du Sud pour se réfugier en Thaïlande. Cependant, Chan, là il fait référence à Mam Nai alias Chan, n'acceptait pas de telles réponses et ordonnait « Toi, tu vas reconnaître que tu fais partie de l'armée et que tu es un agent secret venu espionner sur le territoire Khmer. Si tu ne le dis pas, je vais te frapper à mort. » Tous ces interrogés étaient terrifiés. Ils ont déjà été frappés, mais ils ont peur de mourir. Dans ces conditions, ils déclaraient ce que Chan voulait. Il mettait par écrit ses déclarations, imposait leurs empreintes digitales, enregistrait le son et prenait des photographies. Il prenait en photo certains de la façon dont ils ont photographié celui-là, à savoir en tenue militaire. Ils pouvaient ainsi proclamer qu'ils étaient soldats. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez jamais entendu ce dont l'interprète Chan fait état ici, à savoir que des civils étaient habillés en militaire pour qu'on puisse prendre leurs photos, les civils vietnamiens? ចំពោះរឿងនេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ទេព្រោះការងារដែលសួរវៀតណាមគឺមានតែកន្លែងសួរចម្លើយកន្លែងមុំណៃជាមួយចាន់យោទៅសួរចម្លើយទេគឺខ្ញុំនៅខាងក្នុងខ្ញុំអត់បានដឹងការពិតគេធ្វើអ្វីគេធ្វើអ្វីទេ Alors, concernant la période juste avant l'arrivée des Vietnamiens, donc fin décembre 78, début janvier 1979,
de la part de Dutch d'exécuter l'ensemble des prisonniers de S21 sauf ceux parmi les prisonniers qui y travaillaient. Vous établissiez les listes de prisonniers sortants. Est-ce que fin décembre 78, début janvier 79, vous avez constaté ou non que l'ensemble des prisonniers de 21 ont été placés sur des listes de personnes à exécuter? ដែលនៅក្នុងចុងឆ្នាំ78 79នេះគឺខ្ញុំធ្វើបញ្ជីអ្នកទោសទៅតាមការចារបស់ដូចដែលឲ្យមហោហ្នឹងគឺធ្វើជាធម្មតាបើសិនជាគេចាមួយម៉ាត់ខ្ញុំធ្វើទៅតាមហ្នឹងទៅតាមបញ្ជីចេញចូលហ្នឹង. Comment concrètement les différentes unités S21 ont procédé pour que tous les prisonniers de S21 soient sortis dans une période très courte? Est-ce que vous avez été débordé de travail à ce moment-là? ចំពោះការចង់ដែលសេនាទូគឺនៅពេលដែលមានបញ្ជាថាឲ្យតែសេកម្មដែលបញ្ជាដែលដកចេញហ្នឹងគឺចុងក្រោយគឺមានការមានយកច្រើនដែរ. Je voudrais montrer à monsieur le témoin une liste. La liste E3-10455. C'est une liste dont on attend la traduction dans les jours prochains. Elle est pour le moment disponible uniquement en Khmer. C'est une liste d'exécution de 225 prisonniers en date du 31 décembre 1978. Je demande l'autorisation de pouvoir montrer cette liste, non pas pour utiliser le contenu, à savoir les noms, etc., mais uniquement pour établir l'existence de cette liste et savoir si cette liste a été établie par le témoin. Je demande l'autorisation de pouvoir montrer cette liste, non pas pour utiliser l'existence de cette liste et savoir si cette liste a été établie par le témoin. Je demande l'autorisation de pouvoir montrer cette liste. Je signale à l'attention des parties que nous avons demandé la traduction de ce document et qui devrait, j'imagine, être versée prochainement sur Zylab dès que la traduction sera terminée. La première page est difficile à lire, monsieur le témoin, donc peut-être passerez-vous à la... aux pages suivantes. Donc, voilà une liste dont le titre est exécution de 225 prisonniers en date du 31 décembre 78. En tout cas, on constate qu'il y a 225 prisonniers plus exactement sur cette liste. Est-ce que vous avez établi cette liste à S21? Je suis
đây không biết cứ bị miền ngày khai cho nam cầm tích khóc này miền khai khai cho nam cầm tích khóc này thế này mình chi và hai chi mình chi sẽ rộp này Monsieur le témoin, donc le titre sur chaque page, au-dessus, est bien liste des prisonniers écrasés le 31 décembre 1978. Par contre, il y a effectivement une colonne à droite. Thank you, Mr. President. I didn't have a problem with the first question asking the witness whether he is the author of the list, but now we're going into the contents of the list. À l'intention des parties, j'indique que cette liste existe en anglais. Aux IRN 012-48-06-66-083. Et par ailleurs, je note que le temps a été accordé aux parties pour leur permettre justement de prendre connaissance des listes qui sont les listes venant au soutien de la nouvelle liste produite par les couches. Voilà, je voulais juste poser une seule question, monsieur le témoin, là-dessus. Il y a la dernière colonne que l'on voit dans ce tableau, vous avez dit qu'elle indiquait différentes dates. Est-ce qu'il s'agit d'une colonne qui indique la date d'entrée à S21, selon vous, ou la date d'exécution, sachant que sur ce document est bien écrit liste des personnes écrasées, des prisonniers écrasés le 31 décembre 1978. Et dernière question, Monsieur le Président, avant la pause, et de m'arrêter là. Est-ce que cette liste est l'une des dernières listes que vous avez établies à S21 de prisonniers sortants pour être écrasés? Vous souvenez-vous s'il y a eu encore d'autres prisonniers qui ont été écrasés, mentionnés sur des listes après le 31 décembre 1978, donc au début janvier 1978? Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions. Bah, elle a dit dans le pays.
សម្រាប់ហើយខ្ញុំធ្វើការសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 10 កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្មការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់រកកន្លែងសម្រាប់នៅទូរងចាំនៃមេផ្សាក់ស្័យដល់ផ្សាក់ស្័យរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាផ្សាក់ស្័យមកកាន់កន្លែងផ្ដោតខែកម្មក្នុងទប់សម្មការនេះវិញនៃវេលាម៉ោង 10 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ